Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, mais genre un nouveau vlog vachement en retard. On est jeudi. Je commence le vlog jeudi. Je devais commencer lundi, mais lundi ça a été ça l'a tendu parce que je suis rentrée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, on a été courir, faire des courses pour le mois et tout. Donc lundi, je pouvais pas vous reprendre. Mardi, je devais vous reprendre, mais en mode pas trop bien. Et j'ai regardé le live de Cassou et de Manon. Donc du coup, elles m'ont invité à leur live. Ça m'a fait du bien. Hier, on était mercredi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, je vais vous prendre au soir aussi. J'étais à Lille avec mes deux petites sœurs et je fais un peu les golds. Et en fait aussi, du coup, j'ai été au restaurant et tout. Et quand je suis rentrée, mon père était là. Il est parti, il était 10h30. Donc j'avais pas à reprendre le vlog à 10h30, j'avais juste envie de me laver, mettre mon pilou pilou et dormir. Là on est jeudi. J'ai le temps de vous prendre là, franchement ma cuisine c'est le bordel. Hier soir entre guillemets j'ai pas été là donc voilà, il y avait mon homme, il y avait le voisin, il y avait mon père, il y avait son patron. Ils ont commandé pizza, j'ai mangé pizza, donc comment vous dire que j'ai des canapés de bière et j'ai des verres de bière. Pas tout dans ma cuisine, donc là je dois ranger ça. Ça, je bois un petit coup. J'ai soif en ce moment. Je sais pas ce que j'ai envie de Fanta au citron. En ce moment, j'ai envie que ça. C'est rare que je bois du gaz de cancer. En général, c'est plus le week-end. Donc voilà. Donc je vous reprends jeudi. Ça va être un petit vlog. Ça va être un vlog, on va dire, préparatif anniversaire pour Timéo. Timéo à 7 ans, dimanche, on le fête. Vendredi soir, un petit peu, on le fête. Samedi midi, samedi soir, un peu beaucoup. Donc voilà, dimanche, ce sera repos. Donc voilà. Donc aussi, je voudrais revenir. Donc il y a 15 jours, vous n'avez pas eu de vlog parce que j'avais la crève. Et pour moi, c'était impossible de vous mettre un vlog où vous pouvez 30 secondes. Je suis malade, je suis pas bien, je peux pas parler. Voilà, je voyais pas l'intérêt à faire un vlog. Du coup, franchement, j'étais pas d'aplomb pour faire un vlog. J'ai fait un vlog la semaine dernière, mais en fait, je l'ai pas posté. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà. Oui, c'était jeudi soir. Attendez. Oui, déjà du lundi, je vous ai pas pris en vlog. Je vous ai pris du mardi. Je vous ai pas pris du mercredi. Et je vous ai pris du jeudi soir. Et en fait, le jeudi au travail, j'ai trouvé des petits chatons dans un carton. Que du coup, je les ai hébergés à la maison le temps de les remettre sur pied et de leur trouver une famille. Donc, du coup, j'étais occupée avec les petits chats le soir. Plus les enfants à surveiller, etc. Donc, je ne vous prenais pas trop. Et en fait, ce qui me saoulait, c'est à chaque fois que je vous ai repris. Je vous disais toujours la même chose pour les petits chats. Donc du coup, voilà. Je vous mettrai peut-être le petit passage à ce moment-là, le jour où je vous explique pour les petits chats. Mais en fait, le vlog a duré 3 quarts d'heure et pendant 3 quarts d'heure, j'ai parlé des chatons. Donc moi, de mon côté, personnellement, quand je regarde des vlogs où la personne, tout le long de son vlog, elle parle que de la même chose, en fait, ça me saoule. Et donc du coup, moi-même, je me suis saoulée et du coup, j'avais pas trop envie de le poster. Donc voilà, il y a 2 courriers là. Ah non, c'est un courrier. Peut-être que j'ai vu ça et ça, j'ai cru qu'il y avait 2 courriers. Bon, ça, c'est ma grand-mère pour Timéo. Je laisserai Timéo l'ouvrir. Donc voilà. Et donc voilà, pour ça, vous n'avez pas de vlog ces 15 derniers jours. Donc là, vous aurez un petit vlog dimanche. Voilà. Donc là, je vais ranger ma cuisine. Et sur ce, j'ai plus d'essence. Ça fait 2 jours que mon chéri me dépose au travail, qu'il vient me rechercher. Là, ce soir, il vient me rechercher avec la moto. En moto, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de tour de moto. Il a plus de moto en ce moment. Il s'est séparé de sa moto parce que il s'en servait pas et ça lui faisait mal au cœur. Et donc du coup son patron des fois lui prête la moto. Et là il est venu me chercher, j'ai dit bah demande la moto au patron. Il a dit oui, donc voilà. Il fait un petit tour en moto. Par contre je lui ai dit par contre tu diras, je veux dire, son nom c'est JP, voilà. Tu diras à JP merci d'avoir prêté ta moto et tout pour venir me chercher. J'ai par contre petit bémol, la selle elle est petite. Et j'ai qu'une fesse sur la selle, elle est tellement fine. Et de deux, les repose-pieds, celui-là ça allait et celui-là ça allait pas. Parce qu'en fait, il y avait la petite sacoche sur le côté et du coup, j'avais mon pied en apesanteur, quoi. Donc c'était pas possible. J'étais jamais contente. Non, je suis jamais contente. Toujours rien râler. Donc voilà, bon, je vais aller m'occuper de ma cuisine, je vais mettre une petite vidéo et je vous retrouverai peut-être tout à l'heure. Là, tout à l'heure, après, donc j'ai jusqu'à 18h pour faire ça, 18h15. Tant que monsieur rentre, on court. Lui, il va à Décathlon. Moi, je vais à Action chercher un peu de la décoration pour l'anniversaire à Timéo. J'ai fait une commande tout à l'heure sur Amazon pour commander un peu de la déco Fortnite pour lui faire plaisir.
Et après, on va Pickwick aussi chercher 2-3 petits cadeaux qui manquent. Moi, j'ai mes cadeaux qui arrivent vendredi par Amazon. À Timéo, on avait dit qu'on ne faisait pas de décoration, parce qu'en général, quand je fais la décoration, j'en ai presque pour un bon 100 balles, hein, parce que voilà quoi, je m'affole, pas je m'affole, mais j'aime bien faire des gros trucs. Et donc là, j'ai dit à Timéo, j'ai dit, écoute, là, quand on fait ton anniversaire à Kidzi dans un aire de jeu et tout, et je dis, il y en a quand même pour une certaine somme, je dis, maman, à côté, elle peut pas mettre de la décoration, c'est tes copains ou la déco, quoi. Enfin voilà, surtout que c'est quand même 100 balles à la poubelle, on va pas se mentir. Il a dit non, maman, je veux pas de décoration et tout, je veux juste faire avec mes copains. Et j'ai dit ok, et je vais les faire une petite surprise. J'ai trouvé une petite décoration Fortnite. Et là, action, je vais essayer de trouver des petits bonbons pour mettre sur la table vu que ça sera à l'après-midi. Et quelques autres petits ballons, comme ça, il sera content, il y aura quand même sa déco. Donc voilà, parce que bah, j'aime bien faire pareil pour les deux, mais c'est vrai que j'ai dit une fois que vous êtes grands, ça sera vos copains, ça sera plus la famille quoi, enfin ça sera plus des trucs grandioses avec la famille, ça sera plus des trucs grandioses avec vos copains, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, ça fait 6 minutes que je parle, je pense que je vous saoule, je vais me saouler au montage aussi, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous retrouverai tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 21h, on a été chercher les cadeaux à Timio. Le papa a trouvé ce qu'il voulait, il voulait lui acheter une trottinette, qui se plie pas, un truc de skater, je sais pas trop quoi. Il voulait ça, moi je reçois les jouets demain. Après on était à Pickwick, fait chercher les cadeaux pour la famille, etc. Et je voulais trop lui prendre un jouet, mais je me suis retenue. Je me suis retenue. Après on était à Action et j'ai pris ça pour samedi, comme ça il sera content. J'ai pris des bonbons. J'ai goûté pour voir s'ils étaient pas empoisonnés. On sait jamais, je voudrais pas empoisonner les invités samedi. Donc il faut goûter avant, si jamais. Me suis pris des chaussettes Pilou Pilou. C'est la base. L'hiver arrive, c'est la base. Il te faut des chaussettes Pilou Pilou, c'est la base. C'est la base de la base. Ensuite, comme ça, vous allez arrêter de me narguer là que je vois toutes vos stories entre Céline, Jessica et tous les autres. Hein, c'est bon? Je les ai trouvés. Hein. Les trois bumes, Bambi et Pampan. Bon, je les ai trouvées, c'est bien, mais elles puent. Je les ai trouvées. Elles sont belles, mais elles puent. Voilà, c'est pas parce que t'es belle que tu sens bon. Encore pour Tibio, j'ai pris une nappe comme ça, elle est bleue avec des bonbons. Ça fait un truc comme ça. Bon, j'ai pas trouvé plus beau. J'en avais trouvé une un peu plus belle, mais ça faisait vraiment enfantin. Du coup, je l'ai pas pris. Et par contre, le sac, il est pas trop beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des bonbons comme ça. J'ai pris des bonbons comme ça. J'aime pas les hamburgers, c'est dégueulasse, mais c'est pour les enfants. J'ai pris des bonbons comme ça. Il faudrait que je goûte aussi, parce qu'ils sont pas empoisonnés, un peu. J'ai pris ça. Ça, il faut que je goûte le paquet entier pour voir si vraiment les gens vont pas être empoisonnés. On sait jamais. J'ai pris ça. C'est la première fois que j'en vois des comme ça, Lidl. On verra bien. J'ai pris cette bougie. Elle est comme ça. Packaging est comme ça. Et elles sont trop bon. Donc j'en ai pris une. Ensuite, il y a des nouveaux masques. Alors déjà, j'ai pris des patchs comme ça. Apparemment, c'est des patchs pour les boutons. Je verrai si ça marche. Et en fait, ils ont fait des nouveaux masques. Donc du coup, j'ai pris Blanche-Neige. J'ai pris Jasmine. J'ai pris Ariel. Et j'ai pris Cendrillon. C'est des nouveaux. J'ai encore pris ça en bonbon. Oui, j'ai plus de batterie, je sais. J'ai pris ça en bonbon. J'ai pris un set, un numéro 7 qui a fait ça. J'ai pris des vers de terre. Ça, je vais pas goûter si les gens sont empoisonnés, c'est pas grave. Franchement, je vais goûter. J'ai pris ça pour les pieds, là. Je pense que c'est ceux que ta peau, elle se barre, je crois. Le reste, je peux pas vous faire voir. Et après, j'ai pris des piles. Pareil, la base. Voilà. Je sors pas d'action sur des piles. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pris à l'action. Il fallait principalement pour le timio demain, quoi, des bonbons. Et je voulais les brumes, mais je voulais pas trouver les palettes que ben, j'ai pas trouvé. Donc voilà, bon, j'ai ça qui pue. C'est pas grave, je les ai. Voilà, c'est tout pour mes achats. Maintenant, en fonction de l'heure qu'il est, faut que je fasse du repassage. J'ai pas le courage, je vous avoue. Mais faut que je le fasse. Je vais me coucher tard, c'est pas grave. Je vais retirer mes boucles d'oreilles et
Je vais aller faire le repassage. Flemme, mais il faut le faire. Bon, sur ce, moi je vous dis du coup, bah, à demain. Coucou, je vous retrouve samedi matin à 10h. Je suis au bout de ma vie, je suis au bout de ma vie. Hier, on a mangé chez la marraine de monsieur pour fêter un petit peu l'anniversaire à Timéo. Ma mère m'a appelé entre deux, il y avait une panne de courant dans son immeuble, enfin dans l'immeuble de son ami, et du coup, il était plus proche de chez moi que de chez elle. De chez elle, elle avait 1 heure de route, de chez moi, elle avait une bonne demi-heure. Et comme elle devait venir aujourd'hui, du coup, elle a dit, est-ce qu'on peut venir dormir chez toi à l'improviste, ce qui n'est pas prévu. Parce qu'en plus, elle avait mes deux nièces, donc deux petites de 2 ans, donc sans électricité, sans manger et tout, c'était un peu compliqué. Donc du coup, j'ai dit oui, j'ai dit, par contre, moi, je suis pas à la maison, donc tu vas devoir attendre que tu viens chercher les clés, après tu attends que je rentre. Donc voilà, j'ai couché, il était 11h30, minuit, ça a été camping parce que bah, du coup c'était à l'improviste, il n'y avait rien fait, il n'y avait rien prévu. Donc les petites, en fait, on a refait un matelas en bas et tout, elles ont dormi en bas avec ma mère. Et bien sûr, mes enfants ont voulu dormir avec, donc du coup, ça a été camping dans mon salon, bordel. Donc du coup, moi, ça a un petit peu foiré tout mon planning. Moi, ce matin, en gros, je devais préparer la maison. Vers 10h30, 11h, j'étais censée me préparer moi. Ben, les 10h, c'est pas moi que je prépare, c'est la maison. Je suis... Je suis au bout de ma life, là, je suis fatiguée, je suis KO. Et bon, ça va, allez. Là, j'ai pris ma douche en mode vite fait, je me préparais, je vais me dépêcher. Faut que je me dépêche, quoi. Je vais vous poser quelque part. Je vous ai posé dans mes palettes. Bon, il fait noir. J'ai mis la lumière, ça change rien, c'est pas grave. Bon, du coup, j'ai reçu les commandes d'Amazon, le cadeau hier à Timéo. Ok, ça c'est la décoration thème Fortnite. Il n'y a pas grand chose. De toute façon, je vous dis après avec vous. Là, c'est un autre cadeau. Par contre, ils ont fait 3 cartons. Ok, donc j'avais commandé un millboard et des mini skates. Moi, il y a un fond dans ça. Voilà. Ensuite, encore un cadeau. En fait, j'aurais pu laisser tout dans les emballages, ils se seraient démerdés. Alors, ça, c'est un gros plaid en mode pull Fortnite. Voilà, il sera content. Ça fera un petit peu robe de chambre, etc. Et ça, c'est son camion normalement. Oh, je suis en train de me dépêcher, je suis en train de tout casser. Ça, j'aime pas ça. Moi, dans ma tête, tout est organisé. Ok, donc dedans, il y a 2 trucs. Alors, je vais commander une gourde Minecraft. C'est en plastique, j'aurais cru que ça serait en métal. Donc voilà. Je vais commander... Je sais pas, c'est un bus Fortnite. Voilà, il y a un personnage là. Voilà. Il fait noir, veuillez m'excuser. Donc voilà, je vais commander ça. Plus sa trottinette et c'est tout. J'ai plus acheté des trucs utiles, utiles façon de parler, genre ça et sa truc. Hein. C'est des trucs qui va être content. De toute façon, Timio, il va même pas jouer avec ses jouets, donc voilà. Puis il aura pas mal de jouets et dans 2 mois il a Noël, donc voilà. Bon, bah go m'attaquer à la maison. Voilà, j'ai ouvert la colis comme ça, je vois que tout est intact, tout est ok. Moi je suis pas ok. Bon, j'ai rangé un petit peu ma cuisine tout à l'heure. Là il faut que je mette à décongeler le filet mignon. Pour ce midi, je vais tout mettre dans le cookie. Je vais faire un filet mignon avec des pâtes. Bon, vous êtes tombés, je disais ce midi je fais un filet mignon au maroilles au cookie avec une paire de pâtes. Et ça sera très très bien. Je vais le décongeler comme ça, je vais le préparer pour après. Donc voilà, je suis au bout de ma life. Laisse tomber. Mais bon, c'est pas grave. Bon allez, je m'attaque à la maison. De toute façon, je pense que ça sert à rien que je lave à terre parce que ben, ça va être dégueulasse. Donc je vais pas... Je vais me retirer cette corvée, je vais juste ramasser ce qui traîne, etc. Et faire la décoration vite fait. Et puis... Pigo ?
Hein? Je vous retrouve tout à l'heure, je voudrais voir un petit peu la déco. Faut aussi que je passe à Carrefour, chercher quelques trucs. Et regardez-moi ce bordel. La journée n'est pas finie. Laissez-moi mourir. Il est midi et quart, j'ai gonflé les ballons comme vous avez pu le voir et tout, j'étais vite fait à Carrefour chercher 2-3 bricoles. Là j'ai fait un filet mignon au maroilles qui est en train de mijoter dans le cookéo, j'ai fait chauffer des pâtes. J'ai déjà mis une table, je vais commencer les bacs à bonbons, tous les ballons gonflés, je vais en gonfler encore après. J'ai mis le petit truc là, Fortnite Happy Birthday, là il y a une manette, mais je pense que je vais mettre le set à la place. La table là je touche pas parce qu'on va manger après, du coup je vais juste préparer les bonbons. J'ai quand même lavé à terre, je savais pas résister, et comme ça après je pourrais requinquer un petit peu. Donc voilà, go finir ça. Fortnite! T'es content? Oui! Surtout que c'est Fortnite. Tu écoutes. C'est la guerre. Non, c'est pas. Oh là là, une trottinette pour faire des roues arrière. Oh. Je m'en doutais que c'était une trottinette parce que j'ai d'un temps. Mon frère, c'est une trottinette pour un vélo. Oh. Et là, ça va être petit pour un vélo. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi? Un truc laser? Ah bah oui, un truc laser à eau? Mon dieu. Tu vois, ça, c'est bien au mois de juin, mais au mois de septembre. J'adore ça! J'adore ça! Ah, je crois que c'est de l'eau, non? C'est des petits trucs qui partent. Il va être ingénieur. Oui, il a. Ouais, c'est ça. T'as encore assez de place dans ta chambre pour changer de. Mais tu vas mettre tout ça où? T'es obligé de le mettre au magasin, ça? Oh, Super Mario! Oh, Super Mario! Alors, ça, tu vas. Tourne-le, tu comprendras mieux. Ah, bah oui, il est dans le maillot! Ça me l'a l'air dans le maillot! Tu vas dormir avec Mario? C'est pour mon lit en plus. Et moi, j'attends dans l'entrée. Allez. Alors, c'est quoi ces bougies là? Donc du coup,
C'est la suite épisode de la soirée. Il y a une débutante, non? Et là, c'est la prison. C'est trop bien. Hey, tu es où? T'as eu une belle boîte. Coucou, on est dimanche, il est 14h, je vous retrouve avec une sale tête ce matin. Du coup, hier, ça s'est très très bien passé, l'anniversaire à Titi et tout. Je me suis couchée vers 1h au matin du coup. Donc ce matin, ça a été ranger la maison, j'ai rangé la chambre et tout, j'ai pris ma douche, il était midi, mais j'en pouvais plus. Donc là, du coup, on a mangé. Mes cheveux sont en train de sécher. Et comment vous dire, j'avais demandé quelque chose à mon père qui me le fasse parce que ça coûtait facile entre 400 et 500 euros. Il me l'a fait. Donc j'ai eu la surprise de l'avoir hier parce qu'il m'a pas dit qu'il l'avait fait, qu'il l'a préparé, etc. C'est grand. Je m'attendais pas à un truc aussi grand. Je vais vous faire ce que c'est et je suis juste trop contente. Et la couleur, elle est juste canonissime. Donc du coup, maintenant, il va falloir que je la remplis. Donc, voilà. C'est une Nightbox. Il y en a qui disent juge Nike ou quoi. Donc, je voulais poser pour que vous voyez mieux, en fait. Donc, voilà. Déjà, hop, donc on vient l'ouvrir. J'ai déjà rangé une paire de chaussures. Et là, il y a un tiroir bien faire glisser. Et je peux encore ranger des baskets, là. Franchement, elle est juste trop trop belle. Donc là, j'ai le logo Nike qui a fait le pochoir du coup. Aussi, pareil, le logo Nike. Et sur le côté, il y a mis l'étiquette comme sur les chaussures. Et franchement, elle est juste canon. Donc, moi, comme je l'imaginais plus petite, je comptais après la mettre là. Comment vous dire qu'elle passe pas? Du coup, faut que je vois, du coup, faut que je jarte le fauteuil. Que je vois comment je vais le mettre. Du coup, le tonneau, vous n'allez pas voir le tonneau qui est là, j'ai bien envie de le prendre et le mettre devant mon miroir. Donc là, il faut que je réfléchisse du coup à comment j'organise tout ça. Donc là, je vais faire ça et je vous reprendrai après. Après, je voudrais essayer de faire mes ongles et en même temps, j'ai envie de faire un make-up et je me dis, je suis trop fatiguée pour faire un make-up, donc no courage. Et mes ongles, là, j'en peux plus, faut que je les fasse. Ça fait 2 semaines que je les ai. Lui il est cassé, donc là ça me saoule. Et en fait en dessous j'ai une bonne grosse pousse, donc du coup je vais essayer de juste limer à la taille de mon ongle. Donc là ça fait cette taille là. Et voilà. Donc je vais faire ça cet après-midi je crois. Et ce soir je me ferai des soins. Donc voilà. Comme ça je mets rien à ma peau. Je vais laisser ma peau respirer. J'ai pas de vidéo pour la semaine prochaine. Si, j'ai mon Project Palm que j'avais oublié de sortir. Déjà, j'avais tout bien programmé la semaine dernière pour les vidéos et tout. Et au final, j'ai rien foutu. J'ai eu plein d'imprévus. Donc voilà. Et en plus, j'ai oublié de faire l'entête de ma faute de mon truc YouTube pour mon hold qui est sorti vendredi. Mais bon. Pas grave, vous aurez quand même un vlog aujourd'hui. Du coup, je vais aller ranger ça et je vous retrouve tout à l'heure. Mais je suis trop happy, trop contente. Donc voilà, du coup, moi j'avais déjà regardé sur internet sur Etsy pour en acheter une, mais ça vaut entre 4 et 500 euros. Pour ça que j'ai demandé à mon père. Donc, lui il a dit qu'il va essayer de s'y mettre pour en faire. Voilà, donc moi je suis le cobaye, mais je suis trop contente. Bon, je vous retrouve, il est 20h, j'ai fini mes ongles depuis au moins 2-3 heures, j'ai fait noir, son cours, j'ai fait noir et j'ai mis des petites têtes de mort et j'ai dit à Siri, c'est moi et toi. Bon, le vlog ne sera pas posté ce soir, je le posterai, écoutez, je posterai demain soir. Il y a eu un gros imprévu, donc ce qui fait que j'ai dû tout stopper, parce qu'en plus j'avais fini mes ongles, il était quoi, genre 5h, j'ai dit vas-y. Je range ma pièce vite fait, enfin c'était rangé, je passe des petits coups de poussière, je range mes trucs d'ongles, le temps que mon appareil photo se prend en charge. Et après je fais mon room tour. Donc du coup ça s'est pas fait. J'ai Timio, je sais pas si je vous l'ai dit, aujourd'hui Timio est malade. Genre son anniversaire, c'est super.
Je pense qu'il a soit une gastro, parce que dès qu'il mange, il vomit, ou alors il a mangé trop de cochonneries hier. Ce qui ne m'étonnerait pas. Donc voilà, donc là, je ne sais pas si demain il va aller à l'école ou quoi. Je ne sais pas. Donc voilà. Là, je vais faire le lit des petits. Timéo, je vais mettre la nouvelle parure de lit Mario qu'il a eu par ma mère. Et voilà. Je suis contente d'ici 15 jours, 3 semaines, on refait la chambre des enfants. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc je suis contente. J'ai hâte. Et en plus, ça, ma mère, elle va les garder 4 jours. Je vais être 4 jours sans les enfants, c'est bien aussi. Et comme ça, ils auront franchement la surprise et tout. Genre là, à Gabriel, je sais pas si ça va, mais là-bas dans le coin, on va lui faire un grand. On va dessiner un grand truc Captain America. En fait, le mur là et le mur là, en fait, il y aura un L en bleu foncé. Et après, là et là, on va faire un gris assez clair et un grand Captain America. J'ai acheté des décorations et tout pour les deux. J'ai acheté plein de trucs. Donc voilà, Timo, ça sera tout en rouge et il y aura juste un mur bleu ciel. Et j'ai acheté des trucs, des stickers Mario et tout. Et mon père, il va lui faire des cubes. Vous savez, comme dans les cubes que Mario, il saute là pour avoir des pièces, etc. Donc voilà, franchement, ça devrait être bien. Et je suis contente. Et nous, du coup, on atterrit en bas. J'ai hâte. Plus même niveau organisation, niveau rangement, ça va être beaucoup mieux. Parce que là, la chambre des petits, franchement, elle est petite. Et en fait, c'est tassé sur tassé sur tassé. Donc ça me saoule un peu. Donc voilà. Ça va les libérer un peu tout ça et faire un gros tri. Voilà. Bon. Bah, go faire le lit. J'ai pas de courage. Je suis pas couchée non plus, du coup, avec tout sec, toutes ces histoires. Mais bon. Allez. Go. Bon, on se retrouve au soir. Bah là, je vais arrêter le vlog là. Là, j'ai Timéo qui commence à être malade. Trop de bonbons, trop de sucre, etc. Plus les apéros, donc là il commence à mal, donc je pense qu'une petite crise d'acétone, donc une crise de foie, enfin un truc en rapport à trop de cochonneries. Donc là je vais arrêter le vlog, je vais faire le montage et du coup le de vous poster dimanche soir à 18h parce que là il est trop tard, il est presque 22h. Je vais du coup vous le poster demain pour je vais essayer de le poster demain vers 10h, faire le montage et tout ce soir pour le poster demain vers 10h ou 11h, je sais pas. Donc voilà, j'espère quand même que ce petit vlog assez court vous aura plu. Et du coup, je reprends les vlogs normalement lundi. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bon, voilà, j'ai décalé lui. Bon, j'avais fait la rinaille parce que je viens de faire un petit réel. Donc voilà, ma box, elle est là dans le coin. Là, j'ai mis mon miroir qui était là-bas. Du coup, mon mannequin, je l'ai mis là. Oui, qui soit là. Lui, il n'a pas bougé. Lui, je voulais le prendre et le mettre là dans le coin. Mais je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc du coup, voici le rendu que ça fait vu du miroir. Bon, voilà. Maintenant, je vais aller m'attaquer à mes ongles. J'ai Gabriel là qui s'était installé à terre pour faire du dessin et de la peinture. On fait pas du dessin et de la peinture. Mais tu te déshabilles pas. Mets ta capuche pour faire voir comment tu es. C'est pas Gabriel en fait, c'est Salamèche. Salamèche. Petit filou. Ouais, aujourd'hui c'est journée pyjama pour les enfants. Voilà. Viens, on voit pas mes yeux. On voit pas tes yeux. Petit prout. Que ça va.